sommes dans l'après-midi du lundi 7 octobre 2024. Bonsoir, disparition inquiétante d'Alessandra Diengo Lumbayi. Ce que l'on sait jusqu'à présent. Une étudiante de 21 ans a disparu la semaine dernière au Québec, dans la ville de Trois-Rivières, où elle vivait en colocation. Le dimanche 6 octobre, sa mère, dévastée, a lancé un appel en pleurs sur les réseaux sociaux pour demander de l'aide afin de retrouver sa fille. Le dernier contact entre Alessandra et ses parents remonte au mardi 1er octobre 2024. Ce jour-là, son père l'avait informé d'un retard sur l'envoi de l'argent qu'il lui devait. Il comptait lui envoyer dans la semaine. Le 3 octobre, il lui effectue finalement le virement. Mais contrairement à ses habitudes, Alessandra ne confirme pas la réception. Inquiet par son silence inhabituel, ses parents ont tenté de la joindre sans succès. Le vendredi matin, la mère d'Alessandra contacte Louane, sa colocataire, qui lui confirme qu'elle n'a pas vu Alessandra depuis plusieurs jours. Elle explique qu'un autre colocataire lui aurait dit l'avoir déposée à l'île Saint-Quentin le mercredi 2 octobre à 15h40. La mère, qui ne connaît pas ce colocataire, a demandé plus de détails. Ce dernier a appelé plus tard et a affirmé qu'Alessandra n'est pas rentrée depuis ce moment-là. Aidez-nous à retrouver Alessandra.